en moi maître venu, mais je n'ai pas cru. Ah, oh wow. Seigneur. J'en ai marre. Ah bon, hein? Oh wow. Oh wow. Merde là. C'est quoi? Des fois, dames et messieurs, il y a des gens qui font des choses, qui disent des choses. Mais dans tout ce que nous faisons, ayons la crainte de Dieu. Ah bon? En vrai? La bouche de Flore, ce n'est pas bon. Pété! Vous attendez? Vous allez fuir! Vous allez fuir! Pété! Je précise que Flor aime son gars. Et son gars l'aime. Vraiment, c'est malheureux. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. On me disait que c'est toi qui me trahiras aujourd'hui. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Jusqu'à quand, Seigneur? Dans tout ce que tu fais, dans ta vie, sois honnête, sois sincère. Sois sincère. Et maintenant, la phase suivante. Rencontre de flore brésilienne et fingon tralala. J'ai fait appel à un grand frère ici en Belgique. Que parfois je lui ai dit, écoute, sans toi, je ne tomberai pas dans ce malheur. Que jusqu'à aujourd'hui, il dit, petite sœur, je regrette. Je lui fais appel. J'espère qu'il va écouter ce direct. Ou à l'époque, je faisais le taxi. Il y a un groupe de messieurs ici, il faut que tu les déposes à Mons. Il est 23h30. Je m'engage. Je viens chercher ce dernier avec son troupe. Je pars les déposer à Mons à presque 1h de la nuit. Je ne peux pas vous mentir, ce jour, c'était que des hommes qui sont tombés, tous sont tombés. Mais ce dernier a dit non, laissez ça pour le boss, laissez ça pour le grand. C'est la nourriture du grand, quoi. Et tous les restes se sont découragés. Ils m'ont redemandé mon numéro. Je les ai donné mon numéro en tant qu'une entrepreneuse, en tant qu'une travailleuse. J'ai donné mon numéro. Quelques jours plus tard, ce dernier n'a pas arrêté à marceler. Il m'appelait comme un malade, comme un fou. Et je ne décrochais pas. Et un jour, il a appelé au hasard, j'ai pris le téléphone et dit, ah bon, enfin, tu m'as décroché. Et c'est comme ça. Qui me fait part, voilà, tu m'as intéressé, c'est monté, c'est descendu et tout. Sans que je me rende compte que ces dernières me visaient déjà avant par rapport des choses qui se passent en Europe. Il avait déjà demandé qui est Flore brésilienne, on l'avait sifflé un peu à peu près qui j'étais et il est venu pour un but, sans que je le sais. C'est comme ça que ça commence et voilà. Ce que je n'ai pas compris, c'est le sabotage à mon égard. Parce que juste après notre première sortie, ce monsieur, un 14 février, il fait un direct. Je vous rappelle d'abord que moi, Flore brésilienne, je suis quittée très très tôt en Afrique. Je peux dire, ça faisait presque 18 ans que je n'étais pas retournée au Cameroun. Parce que j'étais partie d'un autre pays et quittant de ce pays pour l'Europe, je n'étais plus retournée au Cameroun. Donc, ce dernier, bien sûr, il m'a fait comprendre ce que c'est que le Cameroun en 2-4-6, dont notre première rencontre fait face un 14 février où il montre aux yeux du monde que voilà son élu et tout. Et surtout, je vous rappelle, mes frères et sœurs, que je ne lui connaissais pas. Je ne connaissais pas qui était Fingon Tralala. Moi, je ne lui connaissais pas. Donc, dans nos directs qu'on a fait, il y a tellement eu des injures à ma personne, je n'ai rien compris. Mais juste après le direct, dans la chambre à deux bouts, il y a eu des femmes ou des hommes qui ont fait des posts
m'envoyer des messages que ce monsieur est marié au Cameroun, qu'il a laissé des enfants. Et j'ai appelé ce dernier, j'ai dit, écoute, juste après notre direct, il y a des choses qui se passent. Viens m'expliquer. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier a juré, juré sur sa tête, qu'il ne connaît pas de quoi je lui parle. Il était en Afrique avec une femme. C'est fini, c'est fini. Cette femme a repris sa vie. Ça, c'est ce qu'il m'a répondu. Allah. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Déjà, un, je ne connaissais pas que ce monsieur avait une vie, genre, avec des enfants avant moi. Et il me fait savoir qu'il est le seul à me parler de sa vie. C'est-à-dire que le seul maître à me parler de sa vie. Et que tout ce que les autres racontent, c'est du bobard. Dites-moi, qui doit croire? Point d'interrogation. J'ai essayé de croire le mec. Entre-temps, les coulisses m'ont fait part que ce monsieur a fait un procédé en Europe et qu'il est en plein rapatriement, en plein l'ordre de quitter sous le territoire. Votre vie vous dépasse, mais vous êtes dans la vie des gens, comme les chansons, tout, alors que votre vie est pourrie, ça ne vous sent pas. Et qu'il vit chez des gens, en tant qu'une sœur, je dis, je ne peux pas te laisser souffrir. Ah bon, hein? Écoute, très bien. Viens avec moi, je vais te prendre avec moi. Je pars ce jour, je vous assure, comme on dit, quelqu'un peut porter quelqu'un sur son épaule. Je prends quelqu'un qu'on donne l'ordre de quitter sur le territoire. Toi, c'est-à-dire, si on te trouve avec, c'est toi qui es dans les problèmes. Je lui prends sur moi et je lui donne ce qu'on appelle une autre façade de la vie. Le bœuf. Autre façade de la vie, c'est quoi? Je pars dans mon entreprise déjà, je l'inscris comme propriétaire aussi de mon entreprise à moi, qui était un salon de coiffure esthétique à l'époque. Et c'est par là que j'ai commencé aussi à vendre de la colle dans cette entreprise. Où c'était plus devenu un salon de coiffure, c'était devenu un bar. On a passé des moments où c'est moi encore qui sortais mon propre argent dans mon compte pour payer mon entreprise. Pourtant, ça tournait trop bien. T'es trop bête. Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur, jusqu'à... Ce qui me fait mal, c'est que quand on commence, ce dernier me parle d'une, elle se connaît bien, la mère de ses enfants ici. Apparemment, cette dernière l'aurait dû jeter dehors par coup de bagarre et blessure volontaire. La police est venue lui foutre à la porte. Donc ça, c'était sa vie en Europe. Je suis en train de faire le constat, ta bouche qui parle trop. Donc quand on lui est foutu à la porte, il m'a parlé tellement si mal de cette femme qui était la mère de ses enfants, de ses deux garçons. Je lui ai dit non, tiens, en tant qu'un homme, moi je suis une femme, je ne te permets pas d'abandonner une femme avec les enfants. C'est ainsi que je prends mon compte, je lui demande, prends-moi le numéro de cette dernière, son numéro de compte, au moins on va balancer chaque mois l'argent de la nourriture sur les enfants. Et c'est ainsi que j'avais pris l'habitude de payer les enfants à manger le mois. On appelle ça épauler un homme. Je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit, moi, j'ai tel nombre d'enfants. Et toi, ce dernier m'a menti depuis le début jusqu'à la fin. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, dehors, c'est rien. Je maîtrise. Il m'a dit, vous savez quoi? Qu'il a 4 enfants. 4 enfants. Quand je compte les 4 enfants, c'est-à-dire 2 en Europe et 2 en Afrique. C'est comme ça qu'on a continué la vie. J'ai payé toujours le pot cassé. Où chaque mois, j'étais obligé même parfois d'envoyer la nourriture. C'est-à-dire payer aussi jusqu'au Cameroun chez ma belle famille. Payer, payer, ça a été toujours payé. C'est ma déception. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le sabotage à ma personne. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Point d'interrogation. Quel sabotage? Pourquoi? J'étais épaulé, j'étais porté sur mon dos. Tu as le poids comme le groupe électrogène. Mais pas pour que tu me... Allez, que tu me vends au diable. Ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais accepté qu'il a eu une autre vie en Afrique. Auquel il me ment. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle. Hier encore, on s'est appelé. Bref, les femmes, j'ai été abusée. C'est vrai. Est-ce qu'on peut abuser quelqu'un comme ça? Jamais de la vie. Jusqu'à là, ça commence.
Ben bon, ça commence que la maman est malade, il faut que je rentre, je rentre, je rentre. Il avait déjà organisé son retour sur mon dos, auquel je ne savais pas. Il avait envoyé des choses en Afrique, derrière mon dos. Et il me faisait croire tous les jours que l'entreprise ne marchait pas. Pourtant, derrière mon dos, il m'escroquait. Oh! Et c'est comme ça, il décide de retourner au Cameroun. Je prends pour une fois dans mon compte, je valide. Je lui dis, tiens mon compte, va payer ton billet d'avion. Vu que c'est le cas de maladie de maman et qu'il faut que tu rentres, vas-y, va payer le billet d'avion, tu rentres. Et le nécessaire, on va faire bien après. Ce n'est pas possible. J'ai passé ce mois d'enfer. Pourquoi? Parce que ce dernier avait vidé le compte. Je n'avais plus rien à manger avec les enfants. Mais j'ai supporté. Par rapport à quoi? Je voulais porter quelqu'un derrière mon dos sans lui connaître, sans savoir ce qu'il était. S'il était un star. Quoi? S'il était un star. S'il était quoi? Non. Mais je voulais aider un confrère. Je voulais aider quelqu'un qui était désespéré, qui était même prêt à même se suicider parce qu'il passait partout en Europe. On lui crachait dessus. On l'a insulté comme un malade. Ça me fait vraiment pitié. Là où je commence à comprendre que ça ne va pas, c'est quand il me fait venir en Afrique pour une première fois après 18 ans. C'est comme ça donc que le massacre commence. Je viens en... Il me garde dans un appartement meublé, s'il vous plaît. Et je ne sortais pas. Si je sortais, c'était avec lui ou l'un de ses enfants. Je n'avais pas droit aux sorties. De peur que je sorte pour piétiner ces conneries faites au Cameroun. Mon frère. De peur qu'on me le fait entendre. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas sa vie, moi. Bon, ça va. On a compris, non? Je vais au Cameroun. Ce dernier parcours de jalousie m'a frappé à mort. J'ai dit j'allais mourir. J'ai vu la mort sous mes yeux jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, les gens, ils m'amusent. Ouais. Elle dit quand elle regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. Et le mariage, c'était pourquoi? C'était comme on l'a refusé. Il fallait absolument qu'il se marie pour que je fasse un regroupement de famille pour qu'il revienne en Europe. C'est de la gâchis, ce que tu es en train de faire. C'est bien. Je reviens ici, je me prépare un mariage qu'on a organisé en moins d'un mois. Eh oui. Parce qu'il m'a donné la... Allez, ce qu'on appelle... Je ne sais même pas. Ça a été, je suis revenue, où il a prouvé pour le meilleur et pour le pire, comme il a dit, monogamie. Quoi? Monogamie. Oh, pays. Je suis peur. Et je tiens à vous dire, néanmoins que je ne connais pas les règlements du Cameroun, que jusqu'à toutes ces bêtises qu'il faisait, nous sommes encore pas divorcés. Quoi? Nous sommes encore pas divorcés. Alors. C'est pas vrai. T'es trop bête. C'est pas avec le mariage qu'il fallait me prouver quoi que ce soit. Je te l'ai demandé. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? La vie, chacun peut refaire sa vie. Tu peux venir si ça ne marche pas. Non, tu pars. Donc, quand je reviens, il me fait, on se marie, monogamie, bien commun. Que quoi? Monogamie, bien commun. Ah, ça me va. Tu es trop bête. Je te dis que... Et là où je m'assois, alors maintenant, il dit que bon, maintenant, comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun, lui et moi, on va s'élever ensemble. Et sa taille économique, un enfant maudit. Mes frères, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Que une femme ne peut pas faire. C'est souillant, hein? C'est très souillant. J'ai tout ici que je vais ouvrir, vous montrer. J'ai tout. Bon, écoutez, hein, ça. Oh. Écoutez, hein. Il y a trop de bruit. Il y a une grande chambre, deux salons, une salle à manger, cuisine, douche, un magasin, une grande cour. Ça, c'est pour le bas. Maintenant, en haut, puisque il s'agit d'une villa, on fera un nouveau vivant. C'est trop long. Donc, j'ai tout. Du départ jusqu'à la fin. Quand je commence
à comprendre que je suis dans un club de fées qu'on m'a bien organisé. C'est quand on commence, je lui dis, papa, il faut qu'on prenne un snack. Il s'assoit, il m'organise. Il dit, il a trouvé un snack de 9 millions. Il me demande, la dame veut l'avance. Je lui envoie l'avance. Ce monsieur, en 2, 4, 6. Le lundi qu'il fallait que je finisse le reste, il m'appelle très tôt le matin. Non, hein? Laisse, n'avance plus. La femme dit qu'elle ne veut plus vendre le café. La femme ne veut plus vendre le café. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut plus vendre le café? Oh, elle ne veut plus. Je dis, ok, et l'argent alors? Où est l'argent? C'est pas quand même 1 million, c'est pas 2 millions. C'est pas quand même, c'est pas une petite somme quand même. Oh, on va voir comment on va faire. C'est quand même la femme d'un ami. Hein? Je vais voir comment je vais faire, comment on va l'arrêter. On va, pour qui? Et c'est comme ça. Je lui laisse faire parce que pour moi, c'est mon mari. Mais pour lui, il avait tracé le plan pour m'expliquer. Vous comprenez? Il a continué. Bébé, j'ai besoin d'une voiture. Hein? Tu sais, quand tu viens comme ça, là, la dernière fois, tu as trop souffert. Hein? Vraiment, vraiment. J'ai dit, c'est quel genre de voiture que tu veux? Il filme une voiture où il m'envoie. J'ai dit, ok, c'est comme ça, je vous assure. Moi, en tant qu'une femme qui se débrouille, je prends mon argent. Je pars, j'achète la grosse voiture que vous voyez, il roule dedans là. De mon argent. Mais ta tête, c'est les pop-corn. Il n'y a rien de... Et quand j'envoie, s'il te plaît, le but d'envoyer cette voiture, c'était que quoi? Que quand j'arrive en Afrique, je conduis. C'était pas pour lui. Parce qu'il me fait savoir que... Mets ça à mon nom, que je puisse dédouaner. Il prend son nom là, pour pouvoir jouer avec moi. T'es trop bête. Quand j'arrive au Cameroun, père, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Jusqu'à ce que je suis parti. T'es trop bête. Et un beau jour, je vois, il pose. Je dis, mais c'est pas cette voiture? Parce qu'à la dernière minute, il me dit, ah, dis donc, tu m'engages, j'ai vendu ça sous douane. Et un jour, je vois, il pose. Je dis que merde, c'est pas possible. C'est pas la voiture ici? Oh non, j'étais fatigué. Tu m'es fatigué déjà les oreilles. Donc, j'ai dit que j'ai. Allez, j'étais obligé de te dire que j'ai vendu ça sous douane. Tu es ma déception. Le bœuf. Papa, je te refuse pas de faire ta vie. Ah bon, hein? Fais ta vie. Parce que moi-même, je suis passé à autre chose. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. B, je réclame mes dûs. Que quoi? L'escroquerie que tu m'as fait. Les autres, ce que j'ai eu à te donner, hein, je laisse ça tomber. Mais les abus que tu m'as fait là, comme cette voiture, je ne t'ai pas donné. C'est une escroquerie que tu m'as organisée et bien fait. T'es trop bête. L'argent de ces synapses, bien organisé, tu m'as bien organisé, tu m'as frappé. Ah. Retour à la réalité. Tu vas lire sous le couvert de la mamie. Tu allais jusqu'à me dessiner au mur. Tu sais pourquoi, non? Que 2 jours après, tu as effacé. Et j'aimerais pas qu'une autre femme souffre de ce que je suis passée dedans. Je réclame mes choses escroquées. Pas 2 choses. Tout ce que j'ai eu à te donner, des habits. Que moi je t'ai acheté, je vais vous montrer. Je t'habille, j'habite en gonzesse, mais quel dommage! C'est souillant, hein? Donc on se sépare pourquoi? Parce que je constate quand je vais au Cameroun, je constate que ce monsieur c'est un menteur. Je tombe sur ceci, c'est quoi? Je tombe sur les photos. Et quand je lui ai demandé. Ce jour, je vous assure, j'ai cru que j'allais rentrer dans ma tombe. C'est souillant. Non, c'est dessoignant, je suis déçu. C'est vraiment honteux et souillant. L'histoire est très très longue. Je pense que mon histoire va ouvrir les yeux des autres femmes. Mon histoire va interpeller d'autres femmes. No comment outside. Ben, avoir une femme et être sur l'internet sautillé comme un poulet, je sais pas trop. Et c'est pour le divorce, tu le sais, je suis prête pour ça. Et à n'importe quel moment, appelle-moi. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai déclaré notre mariage en Europe. Voilà la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est pour le divorce, c'est 2 secondes. Parce qu'on pleure l'homme qui donne à la femme. On ne pleure pas l'homme qui prend à la femme. Pupille, mes frères et sœurs, je vous assure, je veux vous raconter, vous n'allez pas croire. Je n'ai jamais demandé un euro ou quoi que ce soit. Ça, je suis fière de moi, je t'ai changé. Tu étais quoi? Tu connaissais t'habiller? Non.
Mais je suis fière de toi aujourd'hui, que au moins derrière moi, tu as pu changer. Tu as fait des vols où tu as partagé dans tout Bruxelles que j'étais une bordelle, une prostituée. Une prostituée qui t'a porté sur son dos. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Pourquoi me salir? Oui, tu veux partir, pars tranquillement, c'est ce que je t'ai dit. Mais pourquoi me salir avant de partir? Est-ce que j'ai mérité ça de toi? Jamais, 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 jamais. Je n'étais pas méchante quand je prenais tes enfants sur moi, chaque vacances. Quand je vous ai vêtu, habillé, fait tout. Je n'étais pas prostituée en ce moment. Les gens sont que les braqueurs de cul. Ah bon, hein? Les buzzers cadeaux. Tu appelles des blogueuses, m'appeler prostituée. Parce que quoi? Il y a eu quelque chose que tu as organisé. C'est aujourd'hui que je me rends compte que tu as organisé. On m'a drogué pour pouvoir faire comprendre au monde entier que je suis une pute. Ah, une pute que tu as épousée. C'est de la sauvagerie. Dommage pour toi. Mais ce que je réclame, remets-moi ma voiture. Remets-moi mon argent. Le reste, tu peux prendre. Parce que de chez toi, si tu manges avec une cuillère, c'est fleur brésilienne. Tu aides au micro-ondes, c'est fleur brésilienne. Un frigo, c'est fleur brésilienne. Quoi qui se trouve jusqu'à les petites décorations, c'est fleur brésilienne venant de l'Europe. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Je n'oublie pas que jusqu'à ce que tu es en train de me faire tout ce que tu fais, j'ai acheté une télévision très grand éclat, classement, qui tend d'un mur à l'autre mur, que tu m'organisais jusqu'à maintenant pour te l'envoyer avec mes chaises en cul blanc que j'ai à la maison. Quel homme tu es? Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Ben, je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que non seulement tu m'as traumatisé, tu as aussi traumatisé mes enfants. Vraiment, c'est malheureux. Tu n'étais pas obligé de faire ce que tu as fait. Il fallait manger, partir, sans m'afficher. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Et va sur toi là. C'est que j'étais tatoué ici avec mon nom écrit sur sa fleur brésilienne. C'est pas possible. Efface. Hein? Parce que c'est sous toi. Le lion que j'ai dessiné sous toi, j'ai cru que tu étais un vrai lion. Je savais pas que le lion que j'ai dessiné sous toi, c'était pour m'avaler. Ah! Donc va effacer ces lions sous toi. Et le nom fleur brésilienne que j'ai collé sur toi, va l'effacer. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh, maman. Non, non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein. Oh, wow. Ok, il se présente, moi c'est Serge Chami, moi je dis qu'il m'appelle Ken Moy. Moi à l'époque, je n'avais pas dit aux gens qu'il m'appelle Ken Moy, je disais Ken Moy, je prononçais en anglais. Oui, une américaine alors qu'elle n'a pas le passeport. Je dis qu'il m'appelle Ken Moy, il me dit, je dis que je suis en classe de quatrième, il me dit qu'il se débrouille, parfois. T'es un jongleur. Il dit qu'il fait ce qu'il voit, mais il dit voilà. Ça, que tu te débrouilles. Femme, l'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Ça va péter. Hein? Vous allez fuir. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vous attendez. Vous allez fuir. Je vous invite rapidement à faire un tour ici à Total Ngusso pour visiter mon nouveau studio Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les shootings photos professionnels, artistiques ou bien anniversaires. Vous avez aussi besoin des banderoles pour vos événements. Contactez-nous. Nous sommes également spécialisés dans la couverture événementielle telle que le mariage, baptême, funérailles, conférences, soutenances et autres. Contactez-nous pour des vidéos et des photos. Nous sommes situés à Yaoundé, face Total Ngusso, à 200 mètres de la chapelle Ngusso. Nous répondons au contact 672 30 37 85. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Ok. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.